things again. You had me feel this way. You try to take away my heart. Oh, you don't have to try to dim away your light. I know this isn't easy. And again, you had me feel this way. Go and steal away my heart. Coucou tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter notre premier camping-car. Concernant la cellule, c'est un Signy Riviera 130 sur un porteur Fiat Ducato. C'est un camping-car de 2002, 6 places carte grise, 6 couchages. Je vais vous faire la présentation de l'extérieur du camping-car. Comme ça, on aura un souvenir pour nous du camping-car comme on l'a eu à l'initial, avant de faire les modifications qui arriveront prochainement en vidéo. Donc ici, sur la partie extérieure, nous avons donc l'entrée avec une petite gouttière. On a le store entièrement de la même couleur, donc si je ne me trompe pas, hein, mais la toile elle est de la même couleur, elle est bleue et verte. Ici, on a donc juste derrière, là c'est les deux ventilations du frigo. Ici, c'est la prise pour le camping-car quand on va se brancher, je pense, sur les campings. Voilà, c'est une prise de 120. Ici, c'est là qu'on va avoir la soute et le premier lit. Donc, c'est le lit d'Attilio. Voilà. Pour la soute, on arrive sur un premier lit et juste en dessous le lit, en fait, on a quand même une grande soute. Enfin, une grande soute. Voilà. On a une soute quand même assez conséquente. Ça fait bizarre. On peut voir Attilio. Donc attention, je referme. Oui, attends. Attention à toi. Ici, j'ai pas dit, mais c'est la fenêtre de la cuisine. Et au-dessus, c'est la fenêtre du lit de Louis. Sur l'arrière, on retrouve un porte-vélo et une échelle. Et ici, c'est la fenêtre de la salle de bain. Ici, c'est la cassette. La cassette pour le WC. Voilà, c'est ça. Ici, on a une petite boule de remorquage. Sur la troisième face de la cellule, on retrouve donc ici l'emplacement pour les deux bouteilles. T'as deux bouteilles, hein, deux bouteilles de gaz. Ici, c'est l'actuation du brûleur, sachant qu'on est sur un chauffage gaz Truma. Là, on retrouve du coup la fenêtre qui donne sur la dinette et ici le remplissage d'eau. Et du coup, sur le devant du camping-car, c'est là qu'il y a la trappe à essence. Elle n'est pas sur le côté des portes, elle est ici. Nous voici à l'intérieur du camping-car. Et là, en fait, on se trouve dans le poste de pilotage. Donc il est tout simple, hein, je veux dire, c'est quand même des années 2002. C'est des années 2002, donc il n'y a rien d'extraordinaire. On a le frein à main par contre qui est sur le côté gauche, donc c'est assez particulier. Nous qui avons l'habitude du côté droit au niveau de la voiture. Là on a une petite tablette donc, avec une petite pince. Mais bon, maintenant on utilise tous des smartphones, donc... Donc du coup, je ne sais pas trop s'il y a l'utilité ou pas. On a un petit équipement qui avait été rajouté par l'ancien propriétaire. C'est les fameux capteurs de recul. Parce que c'est pas vraiment une caméra de recul, c'est plus des capteurs. Petite boîte à gants ici. Elle est assez petite quand même. On a des rangements. Donc en dessous, les sièges, on a des rangements. Ils ont installé l'extincteur. Sous mon siège, j'ai aussi des rangements, mais c'est des rangements électriques. Ici, on peut ranger les livres qu'on achète concernant les campings et tout ça qu'on peut trouver. Donc là, on se retrouve dans la partie cellule.
donc où on retrouve la porte d'entrée. Juste au-dessus, on a la télé. Donc télé, mais on l'a pas réussi encore à la faire fonctionner. Il faudrait qu'on regarde un petit peu mieux. Donc tout de suite, on a la cuisine. Donc avec une petite hotte, c'est une petite plante. On va mettre ça. Une hotte au-dessus des petits rangements. Encore des petits rangements. Ici, petit placard. Avec une petite étagère en haut. Les panneaux solaires, oui, parce qu'en fait, on est équipé de panneaux solaires sur le toit. Ici, donc, on a l'évier. Avec le petit robinet, eau chaude, eau froide. Ici, on a une gazinière trois feux. Voilà. Ici, les petits volets, donc ils seront du coup à laver. Mais on n'a pas de... Non, pas de moustiquaire. On n'a pas de moustiquaire. Voilà. Petit rangement. Ici, un premier tiroir. Et ici, encore des rangements avec une étagère. Là, c'est un frigo. C'est un frigo Electrolux. Voilà, c'est un frigo... réfrigérateur Trimix. Juste là, on se retrouve côté dinette. Donc c'est une dinette 4 personnes. Donc on retrouve avec les 4 ceintures de sécurité. Sur cette partie-là, on a des ceintures 3 points, 2 ceintures 3 points. Et de ce côté-là, on a 2 ceintures 2 points. C'est pour ça qu'on a mis le siège auto à Attilio ici. Sachant qu'il a que 5 ans, il a encore besoin d'un siège auto. Donc on le fixe avec la ceinture 3 points. Donc là, on a le rideau occultant et la moustiquaire. Parce qu'une fois qu'on a fini de dîner, la dinette se change en lit de personnes. Donc là, ça sera essentiellement le lit de Marie-Lou. Juste au-dessus de la dinette, donc on a 2 lampes, une ici et une là-bas. Qui permet en fait de faire petite veilleuse pour la coin lecture du soir. Et là on est équipé de 3 grands placards aussi sur le haut. Donc un petit coin aussi ici. Donc on retrouve les ceintures de points comme je vous disais. Donc les ceintures de points, c'est simple, c'est la tâche est là, donc c'est ce qui se met en fait autour de la taille. On n'a pas ce fameux 3 points. Et en dessous, hop. Donc là, c'est notre réserve d'eau propre. Donc c'est ça. En fait, on remplit par l'extérieur. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un gros... J'arrive à pas l'ouvrir, mais... Donc... Hop. Voilà. Donc il y a quand même une grosse trappe. Donc on va pouvoir vider et laver. Il y a un peu de sable et tout dedans, mais on pourra mettre aussi de la javel ou un peu de chlore, sachant que c'est de l'eau qu'on ne va pas boire. On n'a pas le droit. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, mais nous, on va pas le faire. Hein. On ne le fera pas. On s'en servira pour les toilettes, pour se laver les mains et c'est tout. Quoi. Se laver. Se laver, voilà. Voilà. Donc, de l'autre côté... On va retirer par contre tout ce qui est technique, tout ça. Alors là, on retrouve le chauffe-eau et les tuyaux de chauffage. Chauffe-eau Trouma. Et ici, on va retrouver le local où on va retrouver la pompe. La pompe à eau. Donc juste au-dessus du poste de conduite se trouve la capucine. Donc là ça va être notre partie nuit à nous. Donc pareil, il y a une petite veilleuse sur le haut. Et en fait elle a 2 modes. Donc là c'est le mode veilleuse et après il y a vraiment un mode éclairage un peu plus intense. Sur le fond on a des petits rangements. Je ne sais pas trop encore comment ça va se laver et si je les garde ou pas. Mais c'est des petits rangements. Le lit fait 140 par 2 mètres, si je ne me trompe pas. C'est un lit 140 par 2. Et ici, j'ai pas mesuré, mais je crois que ici, ça fait 1 mètre. Donc en fait, c'est de faire 1 mètre, enfin que je mesure exactement. Donc on a des petits rideaux aussi très épais, très occultants.
mais bon, rétro quoi, vraiment très très rétro. Au-dessus, on a, je suis trop petite pour ouvrir, mais oui, il pleut de toute façon. C'est comment on appelle ça? Un lanterneau. Ouais, on a un lanterneau ici et un lanterneau côté chambre des enfants. Et ici, on a une petite applique, mais bon, elle s'est cassée lors de notre essai de camping-car. Et, il a carrément tombé, il est carrément explosé au sol. Donc là, on a également du coup un petit rideau occultant pour occulter du coup toute cette partie avant. Façon de s'abriter, t'as regard. Voilà. En parlant du sol. Ici, c'est une sorte de lino un peu vieillot aussi. En fait, on a donc deux marches qui donnent sur l'extérieur. Hop, voilà. Et ici, il y a des petits rangements. Oups là. Ici, il y a des petits rangements où on retrouve la télécommande. Là, c'est l'allumage voilà, des lumières. Et il y a la possibilité aussi, quand on reçoit, de descendre cette planche. Ce qui permet en fait de ragrandir un petit peu l'espace. Quand on mange, au lieu de descendre les escaliers, c'est question de sécurité. Et ici, il y a un petit chauffage aussi, ou une petite ventilation en plus. Là, j'avais vu. Il y a une petite ventilation. Après, est-ce que c'est une ventilation ou du chauffage? Je ne sais pas trop. Voilà. Ici, dans la porte, on retrouve des petits rangements. Mais à laver, ça va être très compliqué, je pense. Parce que ma main, elle passe à peine. Je pense que tu peux le démonter. Ouais, pour avoir. Par rapport à ça, mon système de fermeture standard. Ici, ici et de l'autre côté, on a des enceintes qui sont reliées à la télé. Juste derrière la télé se trouve le tableau de bord. Donc ici on fait le test, hein, normalement. Donc si je ne me trompe pas, là c'est quoi? L'électricité, l'éclairage extérieur. Oups. Là c'est la pompe. Ça c'est le niveau de batterie du coup pour la cellule et là c'est l'eau, c'est ça? Mmh. Voilà, un petit truc de 12 volts. Donc là on se retrouve sur l'arrière de la cellule. Donc ici on a un grand rangement avec une trappe je pense d'accès pour tout ce qui est réseau. Chauffage, trauma, gaz. Face à la penderie, on a donc les deux lits des enfants. Donc en haut, le lit de Louis. Donc il fait 70 par 1,90. Et celui-là d'Atrio, c'est pareil. Donc il fait 70 par 1,90. Là, on a des petits rangements. Donc ils sont assez rétro aussi, assez anciens. Avec des rideaux très occultants. Pour chaque lit pour avoir un peu d'intimité. En dessous le lit de Louis, en fait on a un filet afin de protéger en cas de chute. Comme ça on l'a pas encore utilisé. Et en dessous le lit de Louis, on a encore plein de rangements où là on peut stocker nourriture, produits. Voilà, ça ne sera pas en contact avec l'extérieur, donc je pense qu'on pourra mettre la nourriture dedans. Donc sous le lit d'Attilio, c'est là qu'on retrouve la soute avec l'ouverture sur l'extérieur. La petite échelle pour accéder au lit superposé de Louis. Je vais la mettre là. Chaque lit est équipé d'une petite veilleuse. Voilà, d'une petite veilleuse. Là, on va passer donc sur le coin salle de bain. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Donc voilà. La présentation de notre camping-car est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao.